l'école de sabbat édifie la foi et la pratique par l'étude quotidienne des Saintes Écritures. Bienvenue aux leçons de l'école de sabbat sur le territoire de New Jersey. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente se sent content de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la 10e leçon du trimestre intitulée « Leçon du passé ». Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour débuter, j'aimerais demander à Pasteur Jimmy Jean-Baptiste de prier pour nous. Bon Dieu, Papa, nous qui nous sommes là, nous comptons pour le privilège, possibilité, occasion qu'au bon nous capables de venir devant le trône de grâce en Jésus, par Jésus, pour Jésus. Alors que nous venons dans l'objectif pour nous présenter le son qu'on mandaté avec nous, Pasteur Étienne, Pasteur Louis Jean, Servanteau, Sœur Alain et moi-même. Vous êtes esprit parmi nous, fait que ou animer nos esprits pour que le son capable de faire selon nous-mêmes. Assistez-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous suivez, mesdames, messieurs, la vérité présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la 10e leçon du trimestre qui gagne pour titre Leçon du passé. J'aimerais saluer mes chers collègues qui sont toujours de bon courage et qui se trouvent au studio avec moi pour vous présenter cette leçon. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans le psaume 78, les versets 3 et 4, il est dit « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. » Mesdames, Messieurs, chers amis, et nan pil somyo, nous est que louange bon Dieu et li prend forme yon narration ou de forme yon lettre qui raconte nous les hauts faits, les prodiges, les merveilles de l'Éternel dans le passé en faveur du peuple. Et yo rele somme sa yo, somme de l'histoire ou somme sur l'histoire du salut. Ou soit nous capables aussi des sommes historiques, des sommes qui racontent nous, qui Jean bon Dieu, l'été prend son peuple dans le désert, qui Jean que l'été bat la manne, qui Jean que l'été fait rocher ouvrir, de l'eau sautille au brin, qui Jean l'y montre nous lorsque peuple a murmuré, bon Dieu, frappé yo, le calé yo, le colère bon Dieu éclaté contre eux même. Donc, tout bagay sa yo, tout souvenir sa yo, nous gagnons, et bien, yo fortifié confiance non envers bon Dieu. Yo montre nous que bon Dieu que nous observions, li pon moso bois, li pon moso métal, c'est un Dieu tout bon, c'est un Dieu qui réel. Avait dit, lorsque nous regardons à travers l'histoire, tout ça que bon Dieu fait pour peuple, non, ces sommes historiques, yo aide nous pour que nous capables comprendre la vie nous tout, pour que nous capables connaître que nous devons faire partie intégrante de l'histoire peuple bon Dieu yon. Et aussi somme sa yo yo ban nou héritage historique peuple non et c'est ça que fait objectif final que bon Dieu gen pour nous nous besoin pour que nous capable arriver comprendre que chaque génération peuple non yo joué un rôle chaque génération joué un rôle dans l'histoire de l'humanité dans l'histoire du salut dans l'histoire du plan de la rédemption. Et chaque génération a un rôle pour que vous jouez. Donc, c'est ça que fait. Et tout ça qui passait à travers le temps à peuple Israël, il a servi pour moi-même avec aujourd'hui, il y a une leçon. Il a servi pour nous, il y a une leçon pour que nous sommes capables d'apprendre et nous sommes capables d'éviter pour ne pas commettre même erreur que
pep nan te komet, paske som sa yo, yo mette tout bagay devan nou pou ke nou kapab e rappele nou ki jan bon Dieu travay. Se sa k fe a traver le son semen yo, donk nou va wè an pil bagay. Donk se sa k fe nan premier parti ki 3 mars, ki parle de la fidelite infatigable du Seigneur. Te va mande a Pasteur Wilfried, ki sa ke l ka di nou plus sou sa, yon fidelite ki infatigable ke bon Dieu gen. Nou vle salye koleg nou yo ki sou panel la, nou kontan nou wè Pasteur Etienne, nou wè Pasteur Jimmy, nou wè Sœur Alerne, et nou vle salye aussi nos amis, nos frères et sœurs à travers la terre, non seulement kap tande le son, mais kap partage avec d'autres amis. C'est pour nous plaisir pour l'ensemble. Yes. Mwen ri lèm tande lèm wè tit la, la fidélité infatigable du Seigneur. Mwen mèm en tant que humain, nou remè aide moun. Mais bon côté là vient arriver nous on dit bon OK bon même faut décourager tout parce qu'on appelle des monde puis monde dans lui-même il va jamais il sous ça ou soit là ah il sent que bon paquet de problèmes mon yo bail lorsqu'on appelle parfois tant que mon retour dit comme ça parce que bon faut décourager qui mal fait après pas tout maintenant il dit une fidélité qui pas jamais fatigué ça son bagage extraordinaire mais lorsque nous lisons dans psaume 78 psaume ça c'est pas David qui écrit c'est une psaume David pas écrit c'est Asaph qui écrit lui ou pas ouais gain trois époques historiques qui fait nous découvrir un paquet de bagages pour qui ça il dit bon Dieu second une fidélité infatigable pas vrai c'est Asaph qui écrit c'est pas David lorsque nous faisons examen du passé dans le passé le présent nous voir trois historiques pas vrai le passé le passé du peuple Israël ça mettait en évidence nous même nous capable nous capable de palpiter même nous ca toucher même comment bon Dieu fidèle à peuple là dans tout ça mon Dieu peuple avant de prendre et nous quoi tout comment peuple là infidèle à bon Dieu le peuple Israël examen ça li enseigner nous avec l'autre enseigner avec l'autre génération qui a venir après Israël yo pas vrai chaque génération qui a venir yo comment peut-on pas répéter même erreur eh bien ancien parent yo t'es fait comment peut-on faire bon Dieu confiance et comment yo capable être aussi fidèle ça veut dire le passé pas totalement mal pour en plus moi m'a vivre aujourd'hui a nous ca connaître ça mon Dieu fait dans le passé pas de bon et ça ca aider pour des directives ou soit des solutions capables durables pour capable faire bon Dieu confiance ça met ça dans l'histoire dans psaume 78 verset 2 où elle y expliquait c'est comme une parabole qui pourrait faire allusion à parabole Jésus t'a expliqué dans Matthieu 13 verset 34 à 35 donc psaume 78 verset 2 c'est une description prophétique de méthode que Jésus pourrait enseigner lorsqu'il venait sur la terre donc psaume là réfléchi sous époque de l'exode lorsque le peuple a quitté par vrai Égypte pour aller dans Canaan terrestre li explique aussi l'installation du peuple ça dans Canaan et li bay époque de roi David t'a dirigé donc c'est 3000 époques ça somme ça aussi li évoqué action glorieuse comment bon Dieu bon comment bon Dieu miséricordieux comment bon Dieu vraiment compatissant envers peuple Israël et comment bon Dieu vraiment lui-même usait tout ça possible dans alliance elle dit oui c'est oui oui il parle non la donne l'histoire peuple Israël ça témoigne manque son peuple qui pas bon vraiment yo manque de loyauté envers bon Dieu yo manifesté ça manifesté à travers l'idolâtrie son bagage bon Dieu piraï comment peuple ça abandonné bon Dieu plusieurs fois à observer Baal à courir des autres nations à courir des autres peuples cependant bon Dieu était toujours et ensemble avec peuple là l'histoire frères et sœurs péché clé Israël fait péché clé c'est Israël c'est idolâtrie. Lorsque nous lisons ça, moi-même personnellement, nous tout m'a bouleversé. Tout ça m'a bouleversé. Parce que n'a regardé nous comment peuple bon Dieu a aveugle. Il y a un aveuglement spirituel constant. Bon pour penser pas. Les gens nous disent "Oh, on nous critique." Mais on nous examine vie par nous-mêmes. Est-ce qu'en pile dans nous-mêmes pas oublier ça bon Dieu fait pour nous. Est-ce qu'en pile dans nous-mêmes pas oublier les glen d'apentrer en Haïti, d'apentrer aux États-Unis, gens nous fait bon Dieu des promesses. L'en venir si nous oublier bon Dieu, nous abandonner bon Dieu. Non, il est fidèle envers l'Éternel. Le plus souvent nous voit peuple péché Israël, nous voit péché peuple l'autre mais nous pas nous-mêmes qu'a fait même bagaille. Est-ce que tu as supposé
expérience pour nous vivre bien. Frères et sœurs, si nous pas fidèles à bon Dieu, eh bien nous voué à l'échec total. Bon Dieu était fidèle, fidélité lui infatigable, même lorsque moi m'avoir péché, abandonné lui, mais pas jamais retirer bonté envers nous. Si moi m'avoir pas fidèle, nous voué à l'échec. Donc en nous faire de notre mieux pour nous faire bon Dieu confiance. Voilà la situation que nous y pour nous connaître la situation avec nous, il pas jamais abandonné. Amen, amen. Nous ajouter avant de continuer s'il vous plaît, parce que et non seulement au mot on pense mais comme on a dit que ta faithfulness ou fidélité nous pas dépend de ça nous recevoir de Dieu mais au contraire de qui est-ce lié. Et me penser que lui fait ça se passe si c'est de ça que moi se voir de Dieu pour me fidèle, m'pas croire que nous n'a fidèle vrai vrai. Mais de qui est-ce qu'il y a d'âme? Et puis nos fidèles tout c'est pas pour tête non. Nous fidèles pour moun kap observer nous kap garder nous pour ka wè la grandeur de Dieu en nous et glorifier Dieu. Et ça me devait ajouter. Amen. OK. C'est Tristan et parti lundi 4 mars là dit se souvenir de l'histoire et la louange de Dieu. Ah, ou on belle partie hein. Et sans garder dans ça. Merci pasteur Wilfried. Moi salue nous chaque pasteur Étienne, pasteur Jimmy, c'est avec un pile plaisir que moi fais ça et moi voulais profiter saluer toutes amis auditeurs nous yo qui a suivre le son hein, et qui partager légalement. Moi salue nous en pile. Pendant qu'on a fait le son hein, grand paquet de bagages qui a monté dans tête moi. M'a songé aux déclarations de un auteur, un poète français on pourrait être francophone, mais c'est on pourrait être francophone qui dit que un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Donc, si nous pas songer côté nous sortis, nous pas connaître côté nous pour aller. Et qui ont l'autre encore, oui, et dans le même sens là, qui dit qu'on ça un peuple qui oublie son passé. Se condamne à le revivre. Donc, si nous pas songer côté nous sortis, côté bon Dieu racheté, nous n'avons pas retourné même côté nous t'ayez avant. Parce que Wilfried dit un bagage qui belle, qui intéressant, qui vraiment très profond. Nous avons quitté Haïti, nous avons besoin de quitter Haïti, la difficulté que nous avons, nous faisons en pile promesse. Mais est-ce que vraiment nous kembe promesse ça? Se souvenir de l'histoire et la louange, ou encore se rappeler de l'histoire et louer Dieu, c'est une très belle partie, tant que le pasteur Wilfried déjà dit, et le son envoyé nous dans Psaume 105. C'est un très bel psaume côté qui relate en pile fait dans histoire peuple Israël avec bon Dieu. Dans un paquet de bel événements côté bon Dieu fait des choses extraordinaires pour le peuple Israël dans selon alliance, selon promesse que bon Dieu t'a fait à Abraham, nous voyons que réalisation yo même là que ça prend du temps mais ça arrive réaliser quand même. Si nous prend première promesse côté bon Dieu pour première promesse que bon Dieu te fait Abraham la bali petite là puisque il pas de petite il était âgé et bon Dieu promet pour le faire de lui une grande nation et il te connaît pour te une grande nation mais faut que c'est un petit monde pour te gagner et bien ça te prend environ 25 l'année. Et pour sortir, pour faire de peuple ça, ça que l'été y est effectivement de Abraham jusqu'à Moïse, ça prend environ 430 années. Mais l'été réalisé quand même, c'est pour montrer nous que les promesses de l'Éternel sont certaines et véritables. Même si ça prend temps, mais il a réalisé quand même. Donc nous-mêmes, nous besoin faire bon Dieu confiance. Et dans toute histoire ça yo, nous voyons que ce peuple là, dans tout fait qui relate, nous voyons que ce peuple là qui était infidèle. Non, veut que te fait aller dans promesse yo, dans alliance là. Mais bon Dieu lui-même il était fidèle.
li rete fidèle nan promes ke li fè. E som nan, som 105 la, li ban nou espoir ke de tout le jenerasyon zèv l'Eternel yo, yo imuyabl nan toutan. Il te fait de grandes choses pour le peuple avant, pour les gens d'avant, et bon Dieu a continué à faire pour nous des choses extraordinaires. Est-ce que dans la vie, nous n'avons pas expérimenté ça? Moi-même, j'ai expérimenté des choses extraordinaires que l'Éternel a réalisées dans la vie. Donc, leçon ça, et somme 105 ans, il vraiment montrer nous en pile fait, en pile bagaille que l'Éternel te réalise pour le peuple Israël. M'invitez nous, amis, moi, yo, amis, frères et sœurs, pour que nous capables prendre un petit temps pour nous lire Somme 105. C'est un très bel somme. Lili, Somme 105 et Somme 178 également, que Pasteur Wilfried t'a parlé nous de lui-même. Il y a un lien qui est vraiment serré, Somme 105 et Somme 78. Donc, nous prenons du temps pour que nous lisons Somme ça, yo, pour nous voir comment, bon Dieu, il est fidèle. Comment il est puissant? Comment il est capable de réaliser de grandes choses? Et sommes-nous invités, nous, pour que nous soyons capables d'imiter la foi de ces gens, la foi de ces patriarches, et que nous-mêmes, nous sommes capables d'expérimenter également les bontés et les merveilles de l'Éternel. Et nous voyons que l'important pour que promesse que bon Dieu lui fait yo pour que nous croyons en yo, pour nous faire confiance à nous-mêmes. Parce que tant qu'on te dit déjà, même si on prend du temps, mais on a réalisé quand même. Nous-mêmes, des promesses qui fait à nous-mêmes, en tant qu'adventistes du septième jour, aujourd'hui, nous gagnons des promesses qui fait à nous-mêmes. Donc, fais ça yo. Fais ça yo, c'est yo émouvant pour capable nous-mêmes, pour nous capables de connaître que promesse que bon Dieu fait nous, il a réalisé quand même pour nous-mêmes. Donc, pour ne pas décourager, même si ça prend du temps, pour ne pas décourager, pour ne pas oublier que bon Dieu nous a les fidèles. Et les puissants. Et bonté les étendit à tous les peuples. Ce n'est pas seulement au peuple avant. Ce n'est pas seulement au peuple du temps d'Abraham, ce n'est pas seulement au peuple du temps de David, ce n'est pas seulement au temps du temps des disciples, mais c'est à tout peuple, à nous également aujourd'hui. L'important pour que nous restions fidèles, parce que bon Dieu lui-même, il est fidèle envers toute la génération, nous-mêmes également, nous sommes fidèles envers lui. Amen, 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 amen. Pasteur Étienne, je dis à ce mardi, et mardi, c'est 5 mars, le souvenir de l'histoire et la repentance. Sois capable de nommer ça. Voilà, partie mardiant, le souvenir de l'histoire et la repentance. Maintenant, nous avons partie ça, il a fait enchaînement au psaume 106. Psaume 106 qui est un peu est semblable à psaume 105. Maintenant, nous voyons que le peuple doit songer l'histoire et louange, et pour faire louange à bon Dieu. Changer louange tout que tu qu'on fait à bon Dieu tout. Et nous, ouais, dans la partie mardi, tu dois songer l'histoire, toujours même marana, toujours songer l'histoire et la repentance. Mais dans ce qui est passé, peuple Israël dans le désert, à chaque fois que yo bagay pas bon pour yo, yo vinn crier dans pied l'Éternel. Crier dans pied l'Éternel, yo fait des vœux, yo fait des promesses. Les Moïse présentait parole yo, parole l'Éternel à eux-mêmes, yo dit oui nous d'accord, n'a pas obéi. Et puis après 2 3 jours, yo tombé à révolté, yo tombé à murmurer, yo tombé pour que yo capable à bougonner dans le désert. Et en pile fois, bon Dieu, Jean comme te dit dans le son précédent, non? Bon Dieu calé yo. Ouais, parce que la Bible dit nous clair, bon Dieu châtier petite li. Donc, en pile fois que peuple n'en fait bagaille, désobéit bon Dieu, colère bon Dieu, monter, li frapper, yo, caler. Yo. Et lorsque vous prend bâton, vous repentit. Vous repentit, vous changez l'idée. Vous dit n'a pas accepté quoi, n'a pas marché.
Et puis après quelques jours, même bagaille. Nous, ouais, pendant ces jours, peuple dans le désert, lorsque vous traversez, vous entrez dans le pays Canaan, nous, ouais, désobéissance, infidélité, et bon Dieu permet que l'autre nation vienne caler, l'autre nation vienne asservir, l'autre nation vienne, je m'excuse, l'autre nation vienne opprimer. Donc, bon Dieu frappé par des nations étrangères. Nous, ouais, que bon Dieu permet que des nations qui viennent déporter, ils ont envahi Jérusalem, ils ont emporté à Babylone. Et bon Dieu prend soin d'eux dans le moment de déportation, tandis qu'ils sont en exil. Bon Dieu prend soin d'eux. Les retournés, bon Dieu fait un pile tourné. Ils ont retourné tomber dans le même bagaille, dans même idolâtrie. Donc bon Dieu fâché contre eux-mêmes. Donc nous avons vu que somme, ils montrent nous que bon Dieu est toujours fidèle. Bon Dieu toujours fidèle. Jean que nous voyons à travers toute leçon, yo. Bon Dieu toujours fidèle à alliance, nan, à parti pas lien. Bon Dieu pas jamais abandonné, petit lio. Maintenant, dans Somme 106, le verset 47, nous voyons que c'est là, peuple, lorsque vous prenez un bâton, vous voyez que bagaille yo mal. Maintenant, il y a crié dans le pied, bon Dieu. Dans verset 47, il dit, sauve-nous, éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations. Afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Il a fait des promesses, il a montré que si bon Dieu sauve, si bon Dieu vient au secours, mais ça a fait, mais ça a promis pour que vous fait. Et nous, ouais, après quelques temps, il est tombé dans le même bagage toujours. Donc, bonne nouvelle que nous sommes capables de dire, Somme 106, parlez-nous de lui, c'est que l'amour bon Dieu inébranlable. L'amour bon Dieu infini. L'amour bon Dieu li porté à nous-mêmes et pour que nous soyons capables de prendre conscience de l'état nous, de péché nous. Et nous sommes capables de voir qui s'est arrivé à peuple. Non, c'est que nous lisons Somme 106, verset 8 à 10 et verset 30, verset 43 à 46. Il n'y a aucune chaîne merveille qui était faite pour peuple. Non. Tandis que peuple, non, yo révolté contre bon Dieu, colère bon Dieu, et levé, frappé yo, et nous voyons que en pile yo tombé malade, destruction a fait, et nous voyons que Moïse avec Phinéas, ça que yo fait, yo a intercédé pour peuple, non. Il a intercédé, a imploré miséricorde bon Dieu. Et nous voyons que bon Dieu te tendait, cri serviteur yo. Et bon Dieu fait peuple dans grâce. Nous avons ça dans verset comme ça de Baouyo. Maintenant, nous avons besoin pour que nous capables de connaître que même lorsque parfois nous écartons nous de bon Dieu, circonstances de la vie, on va devoir ça que lié, fait nous écarter de bon Dieu, nous pas qu'un bébé promesse nous. Jean que pasteur Wilfried te dit, les nous sommes avant nous entrer ici, étant nous Haïti, nous fait des promesses. Maintenant, bon Dieu accomplit promesse yo. Nous venons, nous pas qu'un bébé mot, nous pas qu'un bébé parole, non. Mais nous voulons faire connaître que bon Dieu, bon raison qui fait que lui voit le son, ça est pour nous. C'est pour que nous prenions conscience, pour que nous rappelions nous, de qui promesse que nous t'ai fait avec bon Dieu et pour nous repentir. Parce que depuis que nous repentis, nous prenons conscience, bon Dieu l'a toujours continué béni, non. Ce n'est pas la repentance non, qui a cause que bon Dieu fidèle. Que vous repentiez, qu'on pas repenti, la fidélité de mon Dieu est immuable. Fidélité de mon Dieu pas changer. Cependant, moi-même avec vous, lorsque nous gardons ça qui passait dans l'histoire, nous voyons qui gens peuple n'a été souffri, nous voyons qui ça qui est arrivé, et nous-mêmes tout, dans la vie pas nous voyons qui ça qui est arrivé, non, à cause de désobéissance, non, dans le passé. Lorsque nous reconnaissons ça, nous repentis, ça va permettre que nous jouions encore de bénédiction, bon Dieu. Mais ça va, c'est pas le fait qu'on repentit qui va le faire, bon Dieu, être fidèle. Bon Dieu, toujours fidèle. Il est toujours fidèle. Cependant, il m'a dit non pour que nous capables regarder dans le passé et repentir. Dans verset 13 ans, nous voyons que peuple n'a oublié vite ça, bon Dieu, fait pour eux. Peuple n'a oublié vite ça que bon Dieu, ça que promettre qu'il a fait pour bon Dieu. Donc, je dis, qui attitude moi-même avec vous? Est-ce que nous pas agi même gens? En pile fois, nous disons, on a fait 10 pour, on a fait 10, on a fait date, on a fait 10, on a fait date, et puis, ce n'est pas vrai. Donc, qui gens nous agi? Est-ce que nous repentis?
Est-ce que nous prenons conscience que fidélité, bon Dieu, toujours bon envers nous, et que nous sommes capables d'arriver, repasser la vie, nous. Faire un examen de soi, la caille, nous, pour que nous voyons qui ça que nous faisons mauvais devant bon Dieu, et qui sont fait prochain ou tout qui pas bon. Parce que, en pile fois, nous prétendons que nous avons servi bon Dieu, nous fidèles envers bon Dieu, nous prétendons que nous saints, et puis prochain, nous traiter autant que fatra. Donc, ou pas qu'à traiter, ou pas qu'à dire, ou remet bon Dieu, et puis pour traiter prochain, tant qu'on fadra, et qui créa l'image de Dieu. En pile fois, nous pas rendre nous compte. Lorsque nous traiter prochain, nous, tant qu'on la boue, eh bien, ou offenser bon Dieu. Donc, nous besoin que nous prenions conscience. Prenons conscience, regardez à l'histoire et repentir. C'est ça la leçon, dis-nous. Souvenir de l'histoire et la repentance. Donc, en nous pas suivre exemple, peuple Israël. En nous battre pour que nous sommes capables de faire mieux, en nous repentir et accomplir les promesses que nous faisons à bon Dieu. Amen. Et ça, c'est littéralement vrai, docteur Étienne. Le monde oublie promesse sous qu'on fait avec à l'Éternel. Ou après que ou vin à la défensive. Et puis tôt ou tard, on finit par retrouver vraiment comme avant, on finit par quitter l'église là. Donc quand on y on prie pour l'autre pour que ça pas arriver. Et puis, Mounsao, vous voyez qu'il a critiqué l'église, il a critiqué l'œuvre, il a critiqué le pasteur, il a critiqué tout le monde, et puis il a fini par abandonner. Pasteur Jimmy, la suprématie du Seigneur dans l'histoire. Oh, juste avant, on chantait que un frère chantait, Kirill Lovensky et Clairvaux. Il fait une petite vidéo li vraiment belle, côté où sont-ils loin avec Jésus? Il a vraiment belle poème et Jean que le fait vidéo. Donc, comme souhaite, il est vraiment émouvant. Donc, comme souhaite que lorsque nous finissons convertis, nous finissons repentis pour nous rester dans la vie, bon Dieu, même pour nous pas oublier, côté bon Dieu, sortir avec nous pour le faire de nous s'ennuyer et plutôt pour nous continuer à avancer plus loin. La suprématie du Seigneur dans l'histoire, pasteur Jimmy, nous saluons où? En nous de référence, la parabole de la vigne du Seigneur. Je de nous la parabole de la vigne du Seigneur. Moi, avec vous, et sur Alain, Pasteur Jean et Pasteur Étienne, qu'on aime bien parabole, bien ces figures, on me regarde dire comme ça, figure speech, que, qui est utilisé pour décrire les choses célestes et pour décrire les bagailles qui est ciel, pour comprendre le sens littéral, humainement, dans le concept. De là étant, parce que en parabole, en pile, nous connaissons ce bel moyen de Jésus utilisé pour l'apprendre, peuple, là, ce bagage éternel. Mais vigne aussi, et bon, j'allais dire si, bon Dieu, qu'on vigne. Psaume 80, qui fait question ça, pour qui ça, comment le peuple de Dieu est-il décrit dans ce psaume, et pour quelle espérance implore-t-il le Seigneur? Verset 7, qu'on a appelé, il dit que, verset 13, excusez, il dit, pourquoi as-tu rompu cette clôture, en sorte que tous les passants la dépouillent? Donc, on a dit ça, son prière, ou bien, si on en somme, qui est partie de son prière de coopérative, bien, l'âme, cap plein, ou bien, lamentation. Eh bien, Israël l'a décrit comme une vigne, que bon Dieu l'a déraciné d'Égypte. Et pour des raisons que moi ou même, qu'on connaît que bon Dieu lui fait affaire, j'en ai son pays, qui était oppressé, qui était transporté jusqu'à Nanterre, Nanterre, que bon Dieu lui fait promesse, il fait promesse à eux, qui c'est capable de dire la Canaan. À côté que tu as gagné bon bagaille, et belle bagaille que nous avons. Et c'est même pas ça, bon Dieu l'a fait pour nous. Il l'a pas appris à nous, Jean, Pasteur Étienne, Pasteur Louis, Jean, sur Alain. Dans tout aspect ça où trouver la fidélité de Dieu. Malgré tout ça, peuple a fait de mal contre Dieu, bon Dieu, pas jamais détourné de fidélité des promesses. C'est parce que bon Dieu fait des paroles les puissantes que lui-même. Et ça fait que bon Dieu pas qu'à mentir. Alors, c'est nous pas prendre bon Dieu en main. Si nous te connais vraiment intelligent que nous sommes, nous qu'à faire bon Dieu fait bagaille pour nous, ça que nous ne rendons compte.
parole, bon Dieu, les mettez le devant côté, il pour après réaliser que bon Dieu a obligé fait parce que le pas qu'à détourner de ce qu'elle dit. Donc, nous, tout aspect qu'on développement que fait montrer Isaac comme peuple choisi, et bon Dieu prend soin de yo. Et mes amis, qui monde, lui-même parlant, qui monde qui t'a choisi au monde, et mon a faut crier, la faut ceci, la désobéi, ou style qu'on l'amour avec mon ça, mes amis. Et même parlant, il n'est pas facile, non? Il n'est pas facile, non? Mais du fait que Jésus, bon Dieu, ça, ils sont Dieu qui parle pareil, il venons de là que nous pas qu'à comprendre, qui fait que les gardent l'amour de Dieu, nous demander que nous pas bien qu'à comprendre, ni parce que pour y canonner les styles faits de lui. Et ça, qui belle là, j'ai dit, non, 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 c'est parce que lui, j'avais dit, sur Alain a ajouté que même toi, tu te promets ce qu'on fait à Dieu. Even though bon Dieu qu'on est, nous parle pas menti demain, nous faisons promesse là. Les styles qui de nos vivants. Les styles de nos vivants. Juste pour nous dire, maman, est-ce que nous avons besoin de tolérance? Littéralement tolérance, mais par contre, ça me dégage. Juste pour m'expliquer que comment l'amour, bon Dieu, est partiel parce que parole est plus grand que lui. D'où, et ce même montrer nous comment tout ça que bon Dieu fait, pour nous montrer comment colère lui manifester contre le peuple ça, et comment que pour faire là, montrer que son annoncement de pour être capable de détruire, vinant comme un signe de jugement que bon Dieu prononce. Pas pour le détruire la nation d'Israël, mais c'est pour capable prononcer son jugement que à par rapport à ça, il fait. Parce que n'importe ça, au fait, pour vouloir ou pas vouloir, ou à payer conséquence de lui. Mais bon Dieu voulait que dans payer conséquence là, ou qu'a toujours vu une journée parce que l'apédo supporté, l'apédé douleur, qu'a léger non sens, qu'il vient de souffrir, moi, sentir léger, alors même parce que bon force qui augmente la force ou capable de gérer. Et lui faire refrain somnant pour montrer comment promesse à Aaron, aussi tout, que comment bon Dieu bénit peuple, lui fait tout ça, son bagage qui est éternel, lui pas jamais parfait, lui montrer comment mettre en avant espoir que grâce lui, cap toujours triompher. Et comment que nous-mêmes nous gagnons des raisons pour nous capables toujours trouver nos prêts de Dieu. Quoi, c'est nous sommes peuple, Jean, nous dit que, oh Dieu, relève-nous, fais briller ton visage et nous serons sauvés. Et bon Dieu, pas qu'arrêter inactif pour ne pas déplacer une sauvée peuple qui crie à lui. Et bon Dieu, son bon Dieu de. Il pas jeune pas répondre. Je me toujours dit que. Pas bon prière, bon Dieu, pas répondre. J'espère qu'à comprendre, réponse, bon Dieu, bon, non. Mais bon Dieu, toujours répondre, prière, petit les deux. Nous prenons que nous devons faire tout ça dépend de nous. Pour nous capables de trouver bien fait, parce que c'est le bon Dieu qui a levé. On peut faire tout ça dépend de nous-mêmes pour lever tête. Donc, on peut essayer. Il n'y a pas dérangé, nous, si on fait ça. Mais, l'évasion, c'est bon Dieu qui fait ça. Et c'est lui qui a fait. Et l'aile, bon Dieu, levé, en dépit de toute infidélité envers vous, il n'a jamais menti, ça fait rappel à nous, bien-aimés. Si nous sommes capables de faire tout ça, dépend de nous, pour nous rendre nous fidèles dans tout ça qu'on a fait. D'ailleurs, la vie, nous, devons la vie, on vit de fidélité. Juste pour nous capables de contempler les bienfaits que bon Dieu a réservés pour nous, il n'a pas menti, il l'a fait, mais nous prenons conscience, tout petit, moi-même, nous-mêmes, nous disons, bon, on fait ça, non. Parce que c'est pour bien-être. Et je crois que Jean lui dit à Jérémie 24, m'a fini avec ça, et verset dit, je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi, que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple. Et moi, je serai leur Dieu. Car ils reviendront à moi de tout leur cœur. Si moi-même, je fais ça, je pense que pas grand-rien que nous ne venir dans mes bons dieux. Et c'est ça qui fait que moi-même, dans ce sens-là, n'a même limité ça parce que les gens juste avant commenté, m'a tout fait question, n'a pas dit je dis, comment nous capables retrouver ouais, la suprématie du Seigneur dans l'histoire? Comment on a senti ça? Merci, Pasteur Dimi. Eh bien, nous avons un mot, ça, la suprématie même. Il y a une grande signification, toute bagaille qui a une autorité qui est supérieure, qui est vraiment devant son lot de bagaille. Et suprématie même de l'Éternel, il dit c'est qualité ou c'est un état pour gagner pouvoir et autorité et sur quelque chose. Mais dans l'histoire, nous sommes contents, mon Dieu, diriger le monde. La terre, l'univers. Psaume 135 montre-nous des choses extraordinaires. C'est un chaud psaume de louange à Dieu pour bonté, pour fidélité. Non seulement bonté, fidélité à travers la création et dans l'histoire du salut des Israélites, pas vrai?
et au moment de l'Exode, mais aussi son psaume qui chantait louange, bon Dieu, dans la conquête de la terre promise. Trois époques, ça, très important, la création, par l'Exode, par la rentrée dans la terre promise. Bon Dieu, démontrer comment grâce lui, même par sa grâce, par vrai, il choisit un peuple, il élu un peuple, pas parce que le peuple est bon, pas parce que mon Dieu est belle, pas parce que mon Dieu a connaissance, savoir, mais l'Idios fait élection du peuple, la bonté, l'amour, il fait alliance à peuple ça, il distingue peuple ça parmi tout le peuple qui gagne. C'est mon Dieu même qui fait ça, bah ouais. C'est pas parce que le peuple a été bon, c'est pas parce que le peuple a été belle ou t'es beau, non, mon Dieu choisit Israël, mais pour une raison, pour Israël capable de connaître non seulement la supériorité de Dieu, mais c'est pas pour Israël de gagner supériorité sur l'autre peuple. T'es choisi Israël pour Israël capable de faire les desseins de Dieu, remplir sa bon Dieu mandé pour faire, pour Israël capable de respecter aussi les autres, mais faire passer la volonté de Dieu. L'idée de remplir mission du peuple d'Israël, humblement, l'idée de remplir mission, yo, rôle que mon Dieu m'a confié, yo, projet mon Dieu pour le salut du monde entier. Malheureusement, Israël échoué. La promesse, et même mon Dieu ça, il fait promesse, après, que l'a jugé, peuple avec compassion. Oh, ce bagage extraordinaire. Lorsque mon Dieu dit nous pour nous venir sembler avec Jésus-Christ, nous-mêmes qui humains, on prend, qui ont un cœur qui dure, un cœur de pierre, pour le rapprocher nous de Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment un gros travail pour l'Esprit fait, pour nous mettre à la disposition. L'âme juger peuple, là, c'est pas un jugement qui parle condamner peuple, là, mais l'âme juger avec qui ça? Compassion. On prend. Donc, nous ne sommes pas capables de faire ça. Bon Dieu soutient peuple, là, dans tous les problèmes, dans toutes les difficultés. Psaume 135, il visait, il inspirait confiance. Que nous sommes capables de gagner la fidélité de l'éternel. Bon Dieu dit la fidélité, la fin bagaille, la fait. Psalmiste a exprimé de façon extraordinaire pour affirmer, frères et sœurs, entre bon Dieu, pas gagner relation même, inimitié qui gagne entre bon Dieu avec idole. Nous servons un bon Dieu qui va être suprême, qui va suprématie sur la terre, tandis que nous servons des créateurs, des créatures, l'eau, on prend un pied bois. Et maintenant, dans le temps de la Bible, nous servons même les humains. Bah, on est dans des gens qui disent, même dans l'église adventiste, et si le frère est tel, pas prier pour vous, comme si, oui, on va monter. Faut mal jouer un frère tel, faut mal jouer un tel, babi, tel, faut mal, non, depuis le frère est tel, prier pour. C'est comme si, même, vous pas connaître une pièce relation avec mon Dieu. C'est de nos jours. C'est un monde qui vous prie pour vous, c'est vrai. Pasteur Abrissoir pour le prier, font frère, il y a don prière, prière, mais prier c'est même avec l'éternel, relation c'est même avec l'éternel. Pas vrai? Donc si on ne peut pas prier pour vous, prier pas, vous ne pouvez pas attendre, mais ce n'est pas extraordinaire comment on a adoré des choses, on a adoré peut-être des choses et que nous ne connaissons pas, on a adoré des humains. Bon Dieu parle de ça seulement en tant que créateur et rédempteur, bon Dieu, qui nous adorer, c'est seul lui-même pour nous donner, c'est seul lui-même pour nous faire confiance, pour une relation avec. Bon Dieu raille toute forme d'idolâtrie. C'est ça et c'est ça. Et le psalmiste exprimait la suprématie du Seigneur. Ça veut dire toute forme d'idolâtrie, tout le monde qui a votre place, mon Dieu, tout le monde qui est capable de comparer à mon Dieu, mon Dieu est tiré tout net. Et frère avec soeur, nous sommes capables de suivre dans tant que la Bible là. Est-ce que nous avons une idole dans la ville? Est-ce que nous avons une idole? Peut-être Marie, nous, madame, nous, pasteur, nos frères, quelque chose que nous aimons vieux, car mon Dieu, bah, nous, on prend nos terres, mon Dieu, bah, nous, en Haïti. Voilà, ça devient. Est-ce que nous pas une idole pour nous? Parce que la suprématie du Seigneur dans l'histoire, il montre bon Dieu tellement bon envers nous, il est toujours abandonné, il est toujours accompagné nous, il ne va jamais abandonner nous, ou avec ça que nous avons fait. Bien, mesdames, messieurs, t'attendez la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la 10e leçon du trimestre qui te gagne pour grand titre, leçon du passé. À travers leçon ça, nous ouais un pile bagaille que nous doué pour nous gagner mémoire, pour que nous songer à ce passé, ça passé avant, nous apprenons pile. Maintenant, en partie dimanche qui est 3 mars, Pasteur Wilfried te parle non de la fidélité infatigable du Seigneur. Nous voyons que Mésie et plaignant que peuple fait murmure en façon qu'il agit envers bon Dieu sans reconnaissance. Maintenant, bon Dieu toujours est montré fidélité li envers yo. Bon Dieu pas jamais fatigué pour que le capable pardonner yo, pas jamais fatigué pour que le capable
et accepter lorsque vous retournez à lui-même. Maintenant, en partie mardi, lundi, notre bien-aimée sœur Allen, il te parlait nous de ce souvenir de l'histoire et la louange de Dieu. Connais que nous besoin toujours et rappelez-nous de l'histoire et rappelez-nous de louange que nous t'avons fait à bon Dieu dans le passé. Jean que nous avons agi pour nous lorsque ça a marché bien pour nous, que nous comptons nous faire louange. Peuple Israël te fait même bagaille. Lorsque ça a bon pour eux, faire louange pour bon Dieu. Tambour battre. Ils ont dansé devant bon Dieu pour merveiller. Et après ça, ils ont oublié toute bagaille. Donc, nous avons besoin pour que nous capables de rappeler nous de merveilles bon Dieu fait dans le passé. Et dans la troisième partie qui est mardi Saint-Mars, serviteur, on t'a parlé de ce souvenir de l'histoire et la repentance. Ça veut dire que songer l'histoire et repentance, ils ont marché ensemble lorsque nous rappelons nous ça que nous fait qui pas bon. Ça peut pas te faire pas bon. Maintenant, ça te porte au les rappeler de l'histoire. Ça te permet que yo joigne chemin repentance. Yo rappelle nous ça bon Dieu t'a fait dans le passé et qui j'ai agi pour le moment. Ça aide à prendre conscience et repentir. Donc, même avec vous, nous devons avoir même attitude dans de pour que nous capables toujours songer l'histoire et ça que nous commettons qui pas bon devant Dieu bon Dieu. Et pour que nous soyons capables de chercher la repentance, parce que bon Dieu est toujours fidèle pour accepter nous. Dans la quatrième partie de mercredi 6 mars, pasteur Jimmy, tu parles nous de la parabole de la vigne du Seigneur. Donc, bon Dieu comparé peuple Israël à une vigne qui était déracinée dans le pays d'Égypte. Ça que lui dit par là, nous voyons côté que. Peuple t'es en esclavage en Égypte, donc bon Dieu prend pitié, prend miséricorde, il délivre yo, et bon Dieu t'es à attendre à ce que le peuple Israël t'es capable yon modèle, t'es capable yon lumière, t'es capable yon vigne, pour que tout le monde capable vienne manger raisin. Cependant, nous voyons que peuple Israël, malheureusement, il était écarté yo de ça que bon Dieu t'es voulu de faire de yo maintenant. Et dans partie, dernière partie de jeudi, et 7 mars, le pasteur Wilfried te retourné, te parlé de la suprématie du Seigneur dans l'histoire. À travers l'histoire, nous voyons que bon Jésus-Christ, bon Dieu, toujours supérieur à toute l'autre, toute bagaille qui gagne. Malheureusement, nous voyons peuple Israël, il était gagné en pile, fait en pile idole. Je dis, est-ce que nous-mêmes tous, nous pas gagné en pile idolâtrie dans mi temps nous? C'est pas seulement lorsque nous adorons l'autre Dieu. Qui ont idole. Et pasteur, vous êtes bien déchiffré. Madame, vous êtes capable d'avoir une idole pour vous. Côté qu'on bat le premier place, et ou bat le premier place, ou bat plus d'importance que bon Dieu dans la vie. Marie, vous êtes capable d'avoir une idole. Maison, machine qu'on gagne, travail qu'on gagne, capable d'avoir une idole. Toute bagaille que vous bat plus de valeur. Plus d'importance que bon Dieu, non, les considérer comme une idole. Donc, la suprématie du Seigneur, nous besoin pour que nous connaissions bon Dieu, supposé gain. Première place dans la vie, nous, tout ça que nous avons fait. Donc, c'était belle leçon, mesdames et messieurs, que nous tapé étudier. Nous espérons que vous prenez note. Et comme nous toujours disons, nous ne pouvons jamais finir le temps pour nous barrer tout commentaire qui est dans la leçon. Yo. Donc, commentaire pour yo, important. N'a pas demandé capable de faire nous part de yo. Et si que, pour que nous fassions réponse, n'a pas fait réponse, vous capable de remarquer dans tout le commentaire que nous faisons de cliquer aimer. Et ça veut dire montrer que nous lions et nous apprenons de yo. Maintenant, nous connaissons que vous remettez la vérité présente. N'a pas encouragé à continuer, suivre le son yo. Nous avons que année ça pour que la vérité présente couvre plus de territoire. Et pour que ça fait, nous comptons sur collaboration, partager le son. Et l'oral sur YouTube, copier le link, non, la gueule dans toute page qu'on connaît, ou bien amis, ou bien famille, que le son capable utile. Et le ça, on capable aider nous faire bel travail ça. Comme on connaît l'église, continue à fonctionner
en ligne en personne. Vous êtes capable de toujours suivre Pasteur Wilfried chaque week-end sur Facebook, sur YouTube. Et vous êtes capable de suivre Lynn dans quelque chose à l'église côté que vous voyez. Ainsi que notre bien-aimé Sœur Tristan dans l'église côté que vous voyez en Floride. Et Pasteur Jimmy aussi dans l'église que l'a prêché. Et chaque week-end, vous êtes capable de suivre Lynn sur Facebook, sur YouTube. Vous êtes capable de suivre Pasteur Wilfried chaque jour dans l'émission quotidienne que vous avez, Be a Blessing. Et vous êtes capable de suivre Pasteur Étienne aussi tous les dimanches et vendredis de 6h à 8h à l'heure de la délivrance. Bien, nous disons merci parce que vous avez suivi nous avec intérêt et côté que nous avons présenté la 10e leçon. Donc, pour que nous terminions, nous avons demandé à Pasteur Louis-Jean de prier pour nous. Que bon Dieu capable de bénir le son ça, que nous capable de mettre en pratique, et non seulement nous-mêmes qui présenter, mais aussi frère nous qui attendons, et que nous capable de faire provision pour saluer éternel nous, en Jésus nous prions. Amen. Amen. Ou t'as suivi, mesdames, messieurs, la vérité présente qui t'a présenté à vous-même la 10e leçon du trimestre qui t'a gagné pour grand titre, leçon du passé. Nous disons merci parce que t'as suivi nous. Et n'a pas rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'était serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. C'est Jean-Michel Baptiste. Louis-Jean Wilfried. Léon Tristan, qui est mon empire. N'a pas dit au revoir et bon sabbat dans le Seigneur.